L'invité d'ici. L'invité d'ici. En direct depuis la Saint-Luc, la foire de la Saint-Luc à Guillestre, la plus grande foire des Alpes du Sud, en tout cas la plus fréquentée chaque automne. Il y a toute une série de foires, vous les revivez d'ailleurs si vous le souhaitez sur notre site d'ici.fr. Nous les avons toutes filmées, toutes tournées depuis la foire au Bélier de Savournon jusqu'à celle qui s'annonce samedi prochain du côté d'Orpierre dans le Buëch. Ce sera pas vraiment véritablement une foire, c'est la fête aux fruits anciens qui se déroule chaque fin octobre dans ce secteur d'Orpierre. Dans cette Saint-Luc à Guillestre, eh bien il y a beaucoup de particularismes. Il y a d'abord beaucoup de monde, la tradition de la tête de veau ou d'autres plats typiques à la mi-journée. Il y a également cette visite des uns et des autres, et en particulier des huiles, comme on les appelle un petit peu. C'est pas un mot que notre premier invité appréciera, c'est les personnalités qui viennent comme ça rencontrer un peu la population. C'est le cas du maire de Vars, Pierre Emmehoud. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, c'est ça, c'est vraiment une tradition, et j'allais dire que dans votre agenda, vous comme les autres élus, vous cochez le jour de la Saint-Luc, parce que voilà, la tradition fait que on est à Guillestre. Ah, quand on connaît l'histoire de ce pays, c'est un moment qui est très très rare, très attendu, notamment pour toutes les Kérassins. Au niveau de notre mémoire collective, c'était la dernière foire d'automne où on amenait effectivement énormément d'animaux qui étaient logés quelque part chez l'habitant. Toutes les écuries, les bergeries étaient prises d'assaut. Il y avait aussi une fête, les Kérassins descendaient, quelque part retrouvaient tout ce monde-là de Bas-de-Vallée qu'ils n'avaient pas l'occasion de rencontrer, tout comme par ailleurs les gens de Vars et d'un peu plus haut. Et ensuite, c'était des retours, parfois victorieux, parfois un peu plus piteux, puisqu'il fallait remonter les animaux qui n'avaient pas été vendus. Mais c'était une foire qui était une foire immense. Avec notamment, tiens, par exemple, cette fameuse pomme de Risoul. Oui. Pomme de Risoul, pomme plein champ, qui effectivement a été condamnée un peu par la Golden et par les chambres froides. Mais les Kérassins faisaient là aussi provision, par exemple, de pommes. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors certes, aujourd'hui, la filière viande, par exemple, s'organise complètement différemment. On n'a plus ces figures de maquignon avec ce côté folklorique, mais qui était essentiel quand même pour les agriculteurs, toutes ces discussions sur le prix, ces éleveurs là qui essayaient de pas se faire avoir parce que ça continue un peu à Seillac ou à la foire Château-Ville-Vieille, où il y a encore un peu des négociations. Tout juste à la marge. Intérieurement, c'était quelque chose de massif, mais ça méritait vraiment le détour avec des personnages riches en couleurs qui négociaient. Alors c'était très très théâtral. On tapait pour les accords là, on tapait sur la main et puis c'était fait. Et puis parfois les bêtes étaient revendues 10 minutes après. Enfin, il y avait toute une activité commerciale qui était ô combien attachante. Alors lorsqu'on se balade dans les allées de la foire, c'est vrai, il y a un peu moins de bétail, mais il y a quand même le concours au vin qui est dans la remise des prix. D'ailleurs, se déroule en ce moment même. Il y a beaucoup de marchands qui viennent des quatre coins du sud de la France parce qu'ils savent qu'il y a du monde à la Saint-Luc à Guillestre. Mais il y a surtout, et c'est ce qui est assez frappant, le témoignage de l'identité du Guillestrois, c'est-à-dire cette identité assez ouverte finalement, avec des Ubayens qu'on a croisés, qui ont dû passer le col de Vars, beaucoup de Kérassins évidemment, des Briançonnais qui descendent, des Embrunais qui remontent, c'est ça, des Italiens. Alors sur le sujet, notre grande fierté, c'est effectivement la façon dont on a structuré, en particulier la filière viande, avec la mise aux normes de l'abattoir de Guillestre. La façon dont il faut qu'on continue à se battre pour garder les tonnages, pourquoi ? Parce que c'est les agriculteurs qui récupèrent effectivement la plus-value locale dans le cadre d'une recherche de qualité, d'agriculture quasiment bio, de viande, donc Guillet Durance pour les agneaux et Pâtural pour ce qui est des bovins. Et on a pas seulement une agriculture de folklore, c'est ce qu'on aurait spontanément tendance à penser, mais on a vraiment une véritable agriculture sur le Guillestrois Kiara. C'est effectivement notre identité, c'est effectivement notre âme, et on a des perspectives. Mais je crois là aussi, et les médias ont un rôle très important à jouer, le combat nous le mène qu'avec effectivement les populations, les consommateurs, avec donc les écoles, les cantines. Seul mot à dire, c'est consommer vraiment local. On a un outil magnifique qui a coûté cher aux collectivités, qui est cet abattoir, qui concerne tout le Briançonnais, l'Embrunais, qui pourra concerner éventuellement l'Ubaye. Et ça fait partie des enjeux, parce que l'agriculture a ô combien évolué. On pourrait parler de la façon dont les exploitations sont structurées, avec des indispensables modernisations. On pourrait parler de cette problématique, mais qui est essentielle dans notre département, probablement plus qu'ailleurs, la problématique de l'eau,
de l'arrosage, la problématique du travail en commun, des GAEC et autres. Mais derrière ce folklore, on sent, et c'est ce qui me fait plaisir, pas seulement une volonté de regarder derrière avec le petit côté nostalgique, pour bah, tout le monde a été quasiment agriculteur, dès que les personnes ont plus de 60-70 ans, c'est des anciens agriculteurs très attachés à cette Saint-Luc, mais on sent aussi quand même des énergies, des volontés, des gens qui se lancent, on a vu des jeunes exploitants, peut-être qu'on connaissait pas, et ça fait plaisir, car il y a effectivement un avenir. C'est intéressant de vous entendre, parce que vous êtes maire de Vars, on pourrait vous imaginer mono-sujet, centré sur l'activité de la station, qui est l'une des stations qui se développe le plus d'ailleurs dans notre territoire, mais je peux imaginer qu'une station comme Vars ne vit pas sans la ruralité et l'identité qui l'entoure, c'est ça ? Oui, plus que ça. Puis bon, je le répète, mais nos projets, par exemple le multi-usage de l'eau, passent effectivement par des prairies de fauche à proximité des villages. La qualité du tourisme que l'on revendique passe par effectivement une viande locale de très haut niveau dans les assiettes de nos visiteurs, prisés par nos restaurateurs. Là aussi, on est dans une logique de montée en puissance et il faut effectivement être cohérent. Je crois que l'économie, c'est un tout, et l'agriculture, il y a ô combien son rôle. Il faut surtout pas opposer agriculture et tourisme, bien au contraire. Un petit mot, on profite de vous avoir, Pierre-Aimé Houd, sur les stations sport d'hiver. Vous allez, dans un petit moment, partir rejoindre la préfecture, puisque le préfet réunit toutes les stations, les importantes et les plus petites, les stations villages de la région, pour faire le point. On l'a entendu sur nos ondes dire plusieurs choses. Tout cela manque de cohérence. Il faut pas hésiter à poser la question de regrouper des grosses stations. Il a cité l'exemple de Vars-et-Risoul, mais également, pourquoi pas avoir le courage de fermer des petits. Il faut travailler ensemble, voilà le message de l'État par la voix du préfet. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Le problème de taille critique est un problème qui est très très important. On l'a vu pour le Guillaume Troquera. Bon, j'avais monté des opérations comme Guiltour, qui ont démontré ô combien leur pertinence. La taille critique, c'est effectivement quelque chose à regarder de très près. La collaboration par massif est une obligation. Tôt ou tard, il faudra qu'on se plie au principe de réalité. Pour ce qui est des stations nous concernant, effectivement, il y a une entité qui est évidente, c'est l'entité Parpaillon, c'est l'entité donc qui regroupera les communes de Risoul, Vars, Saint-André, Crévoux, Lézors, et on pourra même imaginer aller jusqu'à Réalon. Il faut qu'on arrive à constituer des entités fortes, et il faut surtout qu'on garde la gouvernance. Alors Serge Chevalier, ça n'est très bien sorti grâce à la Compagnie des Alpes, sauf qu'aujourd'hui... Il a fallu quelques années quand même, et quelques bons procès. Tout à fait, quelques bons procès, et puis ils se sont fait peur. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la gouvernance. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler dans une cohérence, en termes notamment de SCOT, où je plaide pour un SCOT donc sur un territoire élargi, où on doit intégrer le développement des domaines skiables avec les plans d'urbanisme, avec la qualité des clientèles qu'on veut amener. Et les tailles critiques permettent d'énormes économies en termes de gestion et permettent aussi des synergies en termes de promotion de destinations commerciales. L'idée de pouvoir passer un gros braquet est une bonne idée, tout comme l'idée de revoir cette carte de coopération intercommunale pour avoir un peu d'ambition et pour arriver à faire ce que j'appelle de tous mes voeux, à savoir une communauté de communes qui a une certaine allure, qui irait du Mont-Viseau jusqu'au lac de Serponçon, ça me semble être l'avenir. Et par contre, attention de ne pas laisser faire n'importe quoi avec des compétences, par exemple tourisme, qui échapperaient aux communes qui se battent pour tomber dans l'escarcelle, je parle bien d'escarcelle à cause des produits fiscaux que les stations peuvent apporter, pour tomber dans l'escarcelle de communautés de communes où les maires de stations seraient sur des bancs de touche. Halte là, il y a un gros péril, ce qui est en train de se passer peut être ô combien préjudiciable, on l'a vu déjà avec les représentants au niveau de l'intercommunalité, puisque les communes stations peu peuplées par rapport à la richesse qu'elles représentent, seront largement sous-représentées, d'accord ? Donc on va déjà avoir des richesses intercommunales qui seront pas gérées par ceux qui, quelque part, contribuent à les produire. Je veux parler des stations de ski. Et si en plus on laisse partir la compétence tourisme et par exemple remontée mécanique vers ces communautés de communes qui sont pas donc a priori sensibilisées à ces problématiques, ça pourrait être au contraire un effet pervers et un désastre annoncé. Alors demain, c'est intéressant, on recevra, ce sera en studio cette fois, Paul Dijoux, le maire de la station des Ors, ancien député maire de Briançon. C'est pas à vous, Pierre-Aimé Houd, que je vais le présenter. Je vous l'ai pas dit à l'avance, mais quelle question vous viendrait à l'esprit, on lui posera demain.
Eh bien, la question qui me semble intéressante... Il y en aurait beaucoup, j'imagine. Hein, parce oui, que, mais voilà. C'est la question que vous me posiez tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut absolument rassembler nos forces. Et on a peut-être... un moment pas été assez ambitieux quand il aurait fallu relier les Ors, Crévoux, Vars, Rizoul et Sainte-Anne-la-Condamine. Ceci dit, il aurait fallu d'autres voies de désenclavement. À l'époque, c'était la percée sous le Mercantour, on avait des perspectives. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il faut maintenant accélérer les coopérations, trouver les bonnes tailles, et puis bon, ne pas avoir peur de l'avenir, bien au contraire, et on peut... comme je l'ai fait sur Vars, démontrer qu'une gouvernance locale est possible. Ça n'est pas ni la Compagnie des Alpes, ni je ne sais quelle banque, ni je sais quel partenaire privé qui sera la seule voie du succès. Au contraire, peut-être de la mixité au niveau des partenaires, mais un regroupement, et restons quelque part les patrons de notre département, les patrons de notre massif, les patrons de nos communes. Je crois que c'est très très important. Il y a des exemples, bon, je n'insisterai pas là-dessus, mais qui ont démontré que les autres chemins sont périlleux. On ne peut pas se défaire de ses responsabilités, de ses compétences, sans le payer tôt ou tard très cher. Nous écouterons son sentiment à Paul Dijoux demain midi sur les ondes de d'ici Radio. Merci Pierre Méhoud d'avoir passé ce moment avec nous. Quel est le programme? Ah oui, alors, pas le temps de manger la tête de veau, c'est direction de la préfecture, c'est ça? Oui, oui. Et aussi quand même, une rencontre conviviale avec tous les élus, là, sympathique. Alors bon, ça sera peut-être que l'entrée, mais ensuite on sera à l'heure au rendez-vous. Monsieur le préfet nous convoque, on y sera. Merci Pierre Méhoud.